Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam suit les traces des cultivateurs de cannabis à Bacham, dans le département des Bamboutos. Malgré l'état piteux de la route, le commissaire divisionnaire Barga et ses hommes n'abdiquent pas. Au bout de cette peine, les voici à Bamelo, un quartier de Balégan, où dans cette vaste plantation d'environ 5 hectares est dissimulé du cannabis entre du maïs. Les hommes en tenue vont se charger de la récolte de ce stupéfiant. Même quelqu'un là-bas. De même, trois personnes, dont une femme, sont interpellées. Au terme de la récolte, certains peuvent alors pousser un ouf de soulagement. Au petit carrefour là, je ne t'arrête plus en route. C'est fini ? Non. Il y en a encore ? Il y en a encore. Pourtant, ils étaient loin d'être sortis de leur peine. Car sur le chemin retour, ils vont se heurter à ces barricades posées sur la voie publique par des inconnus. Avec l'aide de quelques villageois, la route est dégagée. La moisson est ramenée vers un lieu où elle sera gardée pour être présentée aux autorités. Cette opération s'inscrit en effet dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la région de l'Ouest, mais également dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest voisines. Des renseignements dignes de foi, faisant état de la découverte d'un grand champ de culture dans le département des Bamboutos, plus précisément dans l'arrondissement de Bacham, dans un village appelé Bamelu, où se trouve aujourd'hui un grand champ de culture de cannabis. Nous sommes donc descendus sur les lieux, sur l'institution de M. le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest. Ce qui nous a le plus remarqué ici, c'est la proximité. Ce champ est situé à proximité des zones de crise. Quand nous voyons des pistes qui jonchent ce sang, nous avons l'impression que les sécessionnistes viennent se ravitailler. Nous voulons donc tuer le mal à la racine. Les assauts répétés des sécessionnistes puissent s'arrêter parce qu'ils viennent s'abreuver pour commettre des forfaits de part et d'autre, y compris les grands bandits des grands chemins qui écument nos grandes villes du pays. Nous allons nettoyer ce village. Nous allons nettoyer ce village. Nous commençons d'abord à détruire ce champ. Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam promet d'intensifier la lutte contre la culture de ce stupéfiant, très prisé par des gangsters qui terrorisent la population.